Bonjour, bonsoir mes amours, bienvenue sur Chanel Berisian Petit Frère là. Nous disons bienvenue à tout nouveau abonné yo. Pas oublier ou sur Chanel Berisian Petit Frère. Et puis tout nous dit tout ancien abonné yo, un grand merci parce que vous toujours été sur Chanel là positivement. Pas oublier pour nous toujours partager vidéo, inviter famille, inviter amis venir abonner à Chanel Berisian Petit Frère là, nous pas regrette. Et bien, comme nous avons là, je dis à moi, venir ensemble avec une autre vidéo pour nous. Vidéo aujourd'hui, c'est prophète. Prophète, yo-même, qui c'est la prophétie. Yo-même, là, yo toujours à découvrir qui ça a passé en Haïti. Eh bien, nous parlons de qui ça la prophétie a eu. Côté que yo fait, nous connaissons que drapeau bleu-rouge, là, tout autant Haïti a dirigé avec drapeau bleu-rouge, là. Tout autant nous couvrir ensemble avec drapeau bleu et rouge là, ça m'a affecté à toujours dans nous-mêmes, hypocrisie à toujours dans nous-mêmes, sang à toujours couler tant coup de l'eau. Couleur drapeau haïtien, c'est noir et rouge. C'est ça, prophète, ça lui-même lui dit. Et nous avons l'autre prophète encore, lui-même lui dit couleur drapeau haïtien, c'est couleur blanc et rouge. Et puis tout, il y a un trait qui marque l'union fait la force là en or, dans mi-temps. On suit comment ça a passé, comment ça a déroulé la caille Berisian, petit frère. Entendez Et ça. ça vient dans la prophétie en Haïti, je veux dire. Pas Prophétie, dire nous que c'est y prophétie l'homme, non? Parce que vous avez annoncé l'homme, je veux dire, vous avez annoncé l'homme. Il y a l'autre monde qui va mourir toujours, je ne sais pas. C'est pas nous qui annonçons la mort, nous pas là pour nous retirer la vie monde, nous pas là pour nous tuer monde. Autant nous là pour nous prier et méditer, nous prier en pile. Nous sommes monde qui pas dormi, mari nous pas genou pour nous prier pour peuple ça parce que c'est travail nous en tant que yon messager intercesseur prophétie là moi c'est pas nous même qui voulons, yo mais c'était dit peuple là et t'es dit moun yo Oui, mais comprendre on va toujours poser une question ça. Il y a un qui dit pour qui ça gagne toute prophète ça au ces derniers temps en Haïti. Pour qui ça toute prophétie c'est la mort, c'est monde qui pral mourir. Il y a des gens qui disent que ça ne pas fait des prophéties pour nous dire bon, Haïti est pour le bel ou bien qu'on est à bien belle plage, etc. Moi, content avec la question ça que vous posez m'après-midi, hein, et il est nécessaire et important pour le peuple capable d'entendre. Et chaque monde qui vient en prophétie dans le pays d'Haïti, ou bien pour remarquer prophétie ça, faut qu'il écrit dans la Bible là déjà, et faut que la prophétie a accompli. Et elle accompli, il écrit dans la Bible là. Ce n'est pas comme si c'est Mouna qui décide de choisir faire une prophétie de malheur pour le peuple. Parce que toute prophétie que Nabdio est aussi posée dans la Bible, il n'est pas supposé dépasser la Bible. Parce que normalement, toute prophétie est écrite, ça a passé dans le temps. Amen. Alléluia. Tout ça qui a passé dans le temps, c'est des bagailles qui étaient écrites dans Jérémie, dans Daniel, dans Malachie. C'est des prophéties qui étaient écrites déjà dans Esaü. Ce n'est pas nous-mêmes qui décidons de choisir, faire une prophétie et la mort ou bien malheur pour Haïti. Haïti, son pays, même eux-mêmes, ils ne connaissent pas comment ils ont fait prendre l'indépendance. Parce qu'ils ont étudié une histoire qui n'est pas vraie. Ils ont fait une fausse histoire qui n'est pas vraie. Histoire nous cachée dans le tiroir de la France. C'est ça fait que, je ne dis pas, les gens qui portent une prophétie, tout le monde est obligé à goumer, à tirer pied, à dire c'est des faux prophètes. Oui, des faux prophètes. Faux prophètes existent. Mais si ça a fini, ils sont minimes, ils ne peuvent pas sortir. C'est une par une, Adonai est obligé à retirer pour yo sortir. Pour qui ça? Parce que c'est des gens qui ont des temps sous la vie yo, pour être capable d'avancer vers la prophétie. Et prophétie, si un monde ou pas une éducation prophétique, pour une base prophétique, n'importe révélation fait, n'importe ça en don dit, ou a dit c'est Elohim Israël là qui parlait. Amen, alléluia. Parce que, ou son l'homme qui fonctionnait de nature, ou qu'on a bougé, l'esprit bougé, l'ikawayon bagay, pour lui-même, il pensait c'est un esprit qui balil, il dit c'est Adonai, il dit c'est Elohim Israël là. Elohim Israël là, c'est pas lui descendre sous le monde, exactement, il y a des anges royés, non, non. Est-ce que là, des anges qui n'en ont pas? Et Yahawa, c'est de même tout. Parce que yon moun pa ka supporter capacité dimension créateur là. D'accord. On allait qu'on y a là dans la prophétie. Qui prophétie que vous gagnez pour Haïti? Et nous gagnons pile en diakout, non, mais nous pas qu'on passe tout. Mais ça nécessaire là, la m'dil. Et prophétie que nous gagnons pour Haïti, c'est que Adonai demandé pour yon faire yon 3 jours de prière
encore dans le pays. Et trois jours de prière, ça, lui demander pour ne pas faire interpellation, aucun chapelet, maman Marie. Puis, aucun monde prêcher. Prière, ça, en fait, avec Torah. Torah, c'est Genèse jusqu'à Deutéronome. Que le peuple a appelé sans commenter la parole de Dieu. Et prier ça, c'est pour tout le monde qui n'a division, mais tête ensemble pour faire prier ça. Qui tout paix, qui tout maçonloge, qui tout vaudouisant, qui tout pentecôtiste, qui tout baptiste, qui tout adventiste, qui tout l'autre religion. C'est une prière, yon trois jours de prière que Adonai a demandé. Prier ça, ou doit mettre rat blanc sous vous et puis rat sac maréré. Prier ça, son prière de pardon. Yon prière de humilité. Yon prière de réconciliation peuple. Peuple noir ça. Qui n'a division avec propre tête li. Kap goumen yon ak loun. Kap goumen yon ak lot. Qui pas ka comprendre réalité. Destiné yo. Bon Dieu m'a dit pour yon capable entrer dans destiné yo. Parce que, moi dis nous ça encore ici. Si nous pas vle tende, ça poko en yen. Ça poko en yen. Haïti so koren. Haïtien, socorrez. Parce que nous toujours là pour nous parler des bagailles. Les bons dieux m'ont dit nous font bagailles, nous pas voulons entrer dans l'humilité nous en tant que l'homme. Prions en comment pour le fait. Adonai m'a dit pour yon lâcher drapeau rouge et bleu dans le pays. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau Israël là. Li m'a dit pour yon retirer drapeau division qui c'est drapeau bleu et rouge là. Et tout autant nous en bas drapeau bleu et rouge là, c'est tout autant que nous avons divisé une l'autre. C'est tout autant que nous avons tué l'autre, nous avons mangé l'autre. Adonai m'a dit, vrai drapeau nous, c'est noir et rouge. Amen. Alléluia. Elohim Israël l'a demandé, il dit, yo fait un prêtre, yo, père catholique, yo, c'est une alliance que yo te fait avec ancien président nous, yo. Et alliance ça, c'est pas une raison. Adonai t'a expliqué moins. Et il t'a fait me vivre. Côté que ancien président Jean-Claude Duvalier, t'es toujours dit que Haïti a une cigarette qui lui mène en déprime. Alors, François Duvalier. Il n'a pas connu ça. Il n'y a pas papa et un petit. Yeah. Et puis, nous t'es songé, t'es une date. Le pape t'est venu, il t'est botté à Haïti pendant trois fois. Et le pape a fait un programme là pour le tourner en 2030 en Haïti. Ça, c'est Adonai qui m'a prophétie. Et l'église catholique, c'est central qui kembe pays en otage. Pour qui raison? Parce que yote gon alliance qui yote fait avec ancien président ça. Et ancien président ça vient mourir, li vient passer petit li. Et petit là pas attamé ça, papa a te quitté pour le faire. Et kounya qui vient mettre pays à non kachou bumba, bakoun comment yo di an? Kachou bumbe. Kachou bumbe. Qui vient mettre pays an? Aïssé m'a dit nous. Yo dit nous te prend indépendance dans vodou. Vodou pa vle dit magie. Vodou pa vle dit diable. Vodou pa vle dit moun kap tue moun. Vodou c'est culture. Façon te habillé longtemps. Façon te kon manje. Et li même montre une façon les nous te kon a fait combit. Comme si les moun a planté la terre. Comment y a chanté. Comment yo yé. Mais français vin ba nou yon religion. Qui retire culture par nous, qui vini par nous, yon culture religieuse qui vini attirer sorcellerie et diabolique, moun ap bay moun coup de poudre, moun ap pété fiel moun, moun ap tire moun qui vini bay toute criminalité sa yo. Li di, pour yon retire tout démon, tout moun qui mouri innocemment dans le pays, ya. Exemple, moun qui mouri mort de l'eau, moun qui mouri mort accident yo, moun qui mouri tremblement de terre yo, moun qui mouri. Yo tire pa bal yo, moun sa yo la, yo nan central ville la. Et kounya, Haïti vin ap dirije avec yo puissance et, comment rele sa, les morts, zombie. Ça veut dire tout soye ka fait dans pays ya, tout soye ka dirije dans pays ya, li vin gen yon sec et zombification la donne. Qui tout wan dans système non, ou pa ka palo, ou pa ka dikrik. Ou vin gon esprit bébé. Un esprit égaré. Ou est vraiment mon pas qu'à détecter. Zombifié. Yes. Mm-hmm. Et zombification ça, que yon fait peuple là. Vingé yon moun nan pays là qui gon femme rouge, qui fait des sacrifices avec des petits bébés blanches.
qui vient rendre peuple ça vient tant qu'un bébé yo fait à gauche yo pas ca compte qui ça pour yo fait à droite yo fait dans mi-temps yo pas ca sortir dans destinée yo c'est comme si destinée peuple là bouché Adonai dit pour destiner peuple ça débouché faut gagner on décision qui pour prendre des religions qui pour rassembler ensemble pour yo mettre tête ensemble pour yo faire 3 jours de prière. Et 3 jours de prière, ça, c'est prière de pardon. Et 2e jour de prière, là, c'est prière de sagesse, humilité. Et 3e jour de prière, là, c'est une prière de réconciliation peuple. Et puis tout, pour incinérer tout le monde, ça, qui mourit dans le pays, qui l'a guéri. Comment il a fait? Il dit, il a cherché soit chaud masse, ou bien pour un pote. Il a plimé, pendant qu'il a fait prière, il a précité Torah, il a précité prière en schéma israélite, là, dans le pays, hein, et là, il a fini, pour il a limé l'encens, pour il a limé l'encens, pour il a mettre l'huile, et l'huile sainte, à parfait de bonne odeur, pour bouler dans le pays, hein, et puis, ouzer tout le peuple, là, à glosser, pour le peuple, là, capable, ouais. Haïtien, comment est-ce qu'il peut arriver sous, là? Il te dit déjà. Qui c'est un tigre qui a sorti dans le bon nord et tigre a arrivé la terre. Et pays ça après tourner en esclavage encore avec les étrangers. Pays ça après tourner encore dans l'esclavage. Si nous pas ouvrir chez nous. Et puis, qui est une dame en Haïti, pas besoin de citer non. Pour Dieu, il me dire, si vous pas campé vaccin, ou à pas dans le pays d'Haïti. Très bientôt, la potre la caille ou elle m'y a potre la caille. Parce que peuple ça, complot ça, qui fait sous peuple haïtien, ou gars ça, yon parle pour peuple haïtien, li pas prend la donne qui se vaccin corona. Mounan, ramasse pion, m'pap cite non, et m'te promet tout. M'pap cite non, parce que vaccin pas pour peuple haïtien. Vaccin ça, son vaccin, parce que pas oublié, Haïti vend déjà. Haïti vend déjà. Tout peuple a vend déjà. Parce que ça peut passer très bientôt. Très bientôt les États-Unis. Parce que Adonai dit, à partir de fin année 2021, hein, les États-Unis pourraient frapper. 2022, les États-Unis pourraient commencer à perdre grande puissance. Libre. En 2023, les États-Unis ne peuvent pas exister. D'accord. Je me pose une question, Sœur Béatrice. Les Adonai a parlé avant, comment elle parle avant, comment elle parle avant, comment elle parle avant, parce que souvent, mon toujours dit, Adonai parle avec moi, c'est un message, je ne comprends pas. Envoyé. Oui. Il envoyé mon même si j'entends dernièrement, je me suis dit, où tu as participé dans l'émission, je dis, Jovenel pral mourir. Est-ce qu'elle parle avant? Ok. Tu es un monde qui t'a porté porté message. Il y a un porté message depuis en 2019, en avril 2019, dans Radio Caraïbe. Et matin de bas, sorry, matin de bas. Il était voué la caille président. Dans l'heure que je suis arrivé à la réunion, il ne pas te recevoir. Il était retourné voué encore deuxième fois. C'était à peine président a sorti d'après le palais. Il était juste klaxonné machine, il ne pas te recevoir. Et après, encore, je suis écrit une lettre, je suis allé dans le palais. Tu as reçu un message ça? Comment recevoir? C'est ça qui est important. Message ça. Est-ce que tu as dormi ou bien tu as bon lumière paraît devant ou bien baronne? Comme Dieu. Quel est le bagage qui relève formation de prophétique? Tout ce qu'il a dit, il a déjà écrit dans la Bible. Il a écrit déjà. Ça a besoin que l'on dit pour la prophétie, pour la gloire, pour connaître que c'est lui-même pour lui. Non. Tout ce qu'il a dit là, il doit écrire dans la Bible. Tout ce qu'il a parlé, il ne doit pas retirer et ni mettre dans la Bible. Tout ce qu'il a dit, c'est des choses qui écrit déjà dans la Bible. Il doit prendre esprit, il déposer sur toute chair, jeune fille, jeune garçon, vieillard, adulte, si mon petit. Ça veut dire qu'il a déposé esprit pour que l'on soit capable. Révéler peuple ça qui pas étudier Bible que yo fait orienter dans Nouveau Testament seulement que yo pas jamais li livre Torah et mais je ne jodi comment fait connait Adonai
parler avec moi. Moi dis que d'abord, moi c'est une jeune fille qui était dans le monde, qui était dans toute ambiance moi dans le monde. Moi viens rencontrer Adonai dans la vie moi en 2016. Et là viens rencontrer lui, moi consacrer la vie à lui-même, moi accepter dans la vie comme maître et sauveur, lui transformer la vie, lui changer la vie. Et moi son jeune fille passage témoignage moi n'importe clair ou quand invité moi m'a pas témoignage moi avec nation avec peuple là. Moi pas un monde qui porte tête moi vini. Moi souffri en pile dans jeune fille et moi même arrivé rencontrer à Lucifer et Jézabel. Déjà pour me capable moun moyen en faire une bataille physique et spirituelle. Et là Adonai apprend lui femme sorti tout tourni Jean maman te femme à 100 kilos sans soutien en République Dominicaine pour m'a prêcher. Mais là ça mon République Dominicaine du t'es tout parti oui là. Oui, yo dit moun fou mieux. Yo même te conti livre, on ti dame qui fou, yo jeune coucher sur un cimetière, yo crée un paquet histoire de moi-même en 2016. Ça pas dit rien parce que c'est pas moi qui te voulais tête moi. Et ben c'est comme ça. Comment me rencontrer Adonai et Yahwa elle a parlé avec moi. Moi consacré, moi son jeune fille qui consacré toute vie avant moi t'a travail et pour me capable moi perdre un petit frère.